بسم الله الرحمن الرحيم. قبل مشاهدة الفيديو أرجو منكم التسجيل في قناتي، مشاركة الفيديو والضغط على رمز الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بارك الله احييكم تحت الاسلام. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Aujourd'hui, inshallah, on va faire une petite révision pour les élèves de troisième année, les élèves qui débutent en langue française. Bon, en ce qui concerne le premier trimestre, nous avons fait presque, si je me rappelle bien, 10 lettres. Alors, nous avons fait A, I, voilà, M, N, nous avons aussi fait, voilà, E, le son E, T, D, et nous avons fini par faire O, I, U, voilà. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, nous avons presque 9 lettres et un son. Ça, c'est un son, hein? Ce n'est pas une lettre. Voilà. Alors, dans ces lettres-là, nous avons des voyelles et nous avons des consonnes, hein? Regardez bien. Nous avons A, I, E avec E, O, I, U. Ce sont des voyelles, ce sont des voyelles. I, M, I, N, T, I, D, ce sont des consonnes. Dans le système de la langue française, on va essayer de combiner les consonnes avec les voyelles pour obtenir des mots ou bien des syllabes. Parce que pour arriver à un mot, on doit passer par les lettres, ensuite les syllabes, et on finit par obtenir des mots. C'est bon? Alors, on commence par N, M par exemple. Alors, M avec A, ça va nous donner ma. M avec I, ça va nous donner mi. M avec E, ça va nous donner me. M avec E, ça va nous donner me. Et M avec O, ça va nous donner mo. Et pour finir, M avec U, ça va nous donner mu. Est-ce que vous avez compris? Et c'est presque, non, c'est carrément la même chose pour N, T et D. Allez, on va essayer de travailler ensemble. Hein? Alors, N avec A. Très bien. Alors, c'est na. N avec I, ni. N avec E, ne. N avec E, né. N avec O, non. Et N avec U, nu. En ce qui concerne le tu, alors. Ta, ti, te, te, to et tu. D aussi. Da, di, de, de, do et du. Et voilà, c'est comme ça qu'on va travailler. C'est comme ça qu'on doit faire pour obtenir des syllabes. Et à partir de ces syllabes-là, ces syllabes simples, on pourrait faire des mots. Par exemple, le mot domino. Hein? Domino. On va écrire ensemble le mot domino. Alors, pour écrire domino, on a besoin de la consonne D, de la voyelle O, de la consonne M, la voyelle domi I, la consonne N, et la voyelle O, hein, domino, domino. Par exemple, tomate, tomate, T-O-M-A-T-E. Seulement, là, nous avons une lettre muette, hein, E. Le E ne se prononce pas, ça s'écrit, mais ne se prononce pas. Alors, tomate, c'est bon? Voilà, alors nous avons fait une petite rappel en ce qui concerne les lettres que nous avons fait durant le premier trimestre. Et pour finir, je vais vous montrer un jeu
éducatif très utile que j'utilise moi personnellement dans ma classe. Alors, si le découpage syllabique, le découpage syllabique, regarde bien, je vais vous donner un exemple. Par exemple, domino, domino. Alors, je demande à mon enfant d'applaudir à chaque fois qu'il entend une syllabe. Hein? Domino, domino. Alors là, nous avons trois syllabes. Il y a trois syllabes. Par exemple, tomate. Tomate. Hein? Là, nous avons trois syllabes. Regardez bien. Nous avons trois syllabes. Hein? Tomate. La première syllabe, la deuxième et la troisième. C'est bon? Et en suivant cette méthode-là, mon enfant arrive à lire d'une façon agréable. Hein? D'une façon agréable, c'est la base. C'est tout à fait la base de la lecture. Merci de m'avoir suivi. J'en profite pour passer le bonjour à une amie sur Facebook qui m'a demandé de faire un cours pour les élèves de troisième année. Si je me rappelle bien, elle s'appelle Rosa. Il est Rosa, je ne sais pas moi. Merci beaucoup et à la prochaine séance, Inch'Allah.